Salut à tous, c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo et aussi avec le setup qui a légèrement changé, aujourd'hui je vais faire une vidéo réaction, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et ça fait environ 2-3 semaines maintenant que ce MV est sorti, mais j'ai jamais eu le temps en fait de le regarder, du coup je vais enfin pouvoir le regarder. Donc comme vous pouvez le voir, on est toujours en février et donc le MV que je vais regarder c'est le deuxième et donc le nouveau MV de Tiny Tan. La chanson s'appelle, je ne sais plus. on va voir si c'est une nouvelle chanson qui n'existe pas, ou si c'est une chanson qui existe déjà, mais juste en format Tiny Time pour le MV. Bien sûr, ça fait quand même longtemps que le MV est sorti, du coup j'ai déjà vu 2-3 petits spoilers avec la baleine. Mauve par exemple, ils ont même fait une peluche qui s'est sold out à chaque fois. Il y a eu 3 ventes, je crois, pour la baleine mauve, et à chaque fois c'était sold out en quelques secondes. Personnellement, je l'aime pas trop, mais la signification, je la comprends. C'est quand même une grande signification, la baleine mauve, pour les armées. Mais personnellement, de toute façon, je voulais pas l'acheter. Elle me plaît pas physiquement, en fait. Voilà. Ok. Du coup, c'est tout pour l'intro. Je vais me décaler et on va passer au MV. Alors, si je regarde en bas, c'est normal parce que mon écran à laquelle je filme est en haut et mon ordinateur est juste en bas, en fait, pour que. Voilà. Donc si je regarde vers le bas, c'est normal. Donc j'ai aussi mis un écouteur. On verra aussi au niveau du montage si je change le son ou pas. Ça va dépendre des copyrights de Big Hit. Normalement, faut pas trop de copyright dans mes réactions. On verra ce que ça va donner. Mais du coup, voilà. Donc c'est parti dans 3, 2, 1, go. Donc déjà le logo de BTS avec ensuite Tiny Tan. Ok, il y a le A qui s'ouvre. Les petits Tiny Tan qui sortent. Ok. Big Hit Entertainment and Big Hit IP present. Ooh. Ok, donc là c'est la fille avec. Ah, la baleine bleue, son t-shirt. Donc c'est la fille qui faisait des cupcakes. Ok, donc c'est une chanson qu'on connaît déjà. Ok. Donc moi j'aime bien le fait qu'ils ont mis quand même une personne qui représente les Army et on voit un peu son évolution. Dans le précédent MV, elle était cuisinière, enfin boulangère, elle faisait des gâteaux et tout. Oh! Ah les Tiny Tan. Le cœur en pixels. Ouh! Ok, la baleine mauve, d'accord. Elle est de ma télé? Oh! Waouh! Elle est trop belle! Waouh! Minuit, bien sûr, hein, 0 o'clock pour la chanson. Ok. Ok, donc là elle est sur la baleine. Mais la baleine elle est super bien faite. AM. Oh! Zero o'clock. Oh, and you're gonna be happy. J'adore cette chanson. Adam Sun Tower. Ooh. Wow. Oh! Oh! Ooh, une robe de princesse. Ça, je connaissais. Ah oui, le piano. J'avais vu des pianos aussi. Là c'est Jungkook. Qu'est-ce que wow. Ok. J'adore qu'à chaque fois dans le. Enfin c'est que le deuxième, mais à chaque fois dans les MV, c'est vraiment. On voit comme c'est que BTS apporte de la joie aux armées et les inspire. Cela tu vois, elle joue du piano. Ah ça c'est magnifique ce shoot. Avec la baleine qui saute par-dessus. Donc c'est un rêve. Ou pas. Oh! Oh non, ah oui, quand il pleure, on m'avait parlé que les Tiny Tan pleuraient à un moment donné. Yonggi! Yonggi! Oh crack. Non. Ah c'est tout? Attends, c'est écrit quelque chose mais je sais pas ce qu'il écrit.
Inoleka. Ah, c'est les paroles, je crois. Inoleka. Kuti. Namion. Jamdo. Et Bokhavnil. Ouais, c'est les paroles. Ok. Ah, oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était court comme MV. Ouais, il est. Ouais. Enfin, quoi qu'il est pas si court que ça, il fait 3 minutes, mais. Ok, c'est vrai que j'avais oublié que c'était court. Mais en même temps, c'est beaucoup de travail hein, d'animation pour faire l'animation. En fait, je sais que ça prend beaucoup de temps. Donc, même si c'est assez court en soi, tous les détails qu'il y avait avec les couleurs, les paillettes, enfin, ça fait quand même beaucoup de travail pour les personnes qui ont fait cette animation-là. Donc, déjà, bravo à vous. Vous avez fait un super travail. Ben, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que du coup voilà, c'est une chanson qu'on connaît déjà, donc c'était Zero O'Clock. Franchement, les Tiny Tan, je les adore. Et Vi était trop cute à un moment donné quand il a soufflé les paillettes et tout. Et puis Yonggi à la fin, quand il tombe pleure et qu'il retourne dans la Army Bomb. C'est assez émotionnel. En fait, vu que. Je sais pas, j'ai. Ouais. Dites-moi, vous, ce que. Déjà, ce que vous. Pour les nouvelles armées, si vous connaissez un petit peu les Tiny Tan ou pas. Si vous avez jamais vu l'ancienne. Enfin, le premier MV que les Tiny Tan ont fait, je vous mettrai le lien en description de ma réaction pour le premier MV des Tiny Tan. Si jamais vous n'avez pas vu le premier MV qu'ils ont fait, en fait, donc les débuts des Tiny Tan. Et donc, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé un peu de ce MV. Est-ce que vous avez acheté la baleine mauve ou pas? Et merci encore de vous être abonné à ma chaîne si c'est déjà fait. Si c'est pas encore fait, le lien, enfin le bouton pour s'abonner est juste en dessous. Merci de laisser un like aussi et de commenter la vidéo. Donc voilà, quel est votre Tiny Tan préféré par exemple? Parce que les Tiny Tan sont pas, comme les BT21, c'est pas forcément en lien avec votre bias. Peut-être que le Tiny Tan que vous aimez, par exemple, moi je sais que mes Tiny Tan changent en fonction de l'era. J'avais Tiny Tan Mic Drop et Tiny Tan Idol. C'est pas forcément les mêmes mes préférés. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire quel est votre Tiny Tan préféré. Si vous avez acheté la baleine ou pas. Et on se revoit du coup la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça va, comme je l'ai dit précédemment, en ce moment on est en plein pendant les soldes. Donc jusqu'à fin février. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer et éditer des vidéos. Donc en ce moment c'est une vidéo toutes les 2 semaines que je sors, mais je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Mais voilà, donc si jamais je loupe une semaine, c'est normal, c'est pas grave. Mais je vais quand même essayer de faire minimum 2 vidéos par mois, donc au moins une toutes les 2 semaines, et si je peux une toutes les semaines. Donc je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà. Donc merci encore de me suivre, je suis bientôt à 400 ou 500, je sais plus, 400 ou 500 abonnés. Je sais que c'est très peu, mais tant que les chiffres augmentent, moi je suis contente. Ça veut dire que mon contenu vous plaît et que j'adore le fait que je puisse vous aider. En fait, vous me posez beaucoup de questions en commentaire, j'adore y répondre. Et donc, n'hésitez pas à poser encore plein de questions sur tous mes unboxings, je répondrai avec plaisir. Et peut-être que je ferai une FAQ bientôt aussi, pour faire une vidéo vraiment explicative de toutes les questions que vous me posez, comme ça ce sera plus clair aussi. Et au lieu de chercher des réponses un peu partout, vous aurez une vidéo réponse en fait à toutes les questions que vous posez. Donc n'hésitez pas sur cette vidéo aussi de mettre FAQ ou Q&A et ensuite vous posez votre question. Comme ça je vais récolter les questions et je ferai une vidéo FAQ après. Voilà. Donc, en ce moment, c'est les vacances pour. Je sais pas si c'est toute la France qui est en vacances ou si c'est juste des régions. J'ai jamais compris le système de vacances en France parce que c'est décalé en fonction des régions A, B et C. Mais voilà, si vous êtes en vacances, profitez des vacances. Si jamais on est bientôt en confinement, profitez quand même du confinement pour faire des choses chez vous, ranger votre chambre, commencer à apprendre le coréen, etc. Et on se revoit du coup bientôt pour de prochaines vidéos. Plutôt des unboxings, mais peut-être aussi des MV, on sait jamais. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.